félicitations, parce que troisième avec Italiano Verona, c'est une victoire. Ouais, c'est pas une surprise. Non, c'est comme une victoire. Je suis un petit peu déçu, je croyais être second jusqu'à 57 poteaux. Mais non, le cheval fait une super valeur et bravo à l'entourage. Et votre parcours ? Ça s'est bien déroulé. Je suis parti un petit peu en frais, mais après ça s'est bien mis. Non, j'ai super bien roulé. On est battu par le petit cheval de la course. Et en Piamé DSM, c'est pas la dernière minute non plus. Vous avez senti qu'il allait jouer les premiers rouges ? Ouais, j'allais vraiment facile quand je suis sorti. Il a vraiment bien jailli. Non, pas de regrets. Ça fait quoi, toi, propriétaire d'Esto ? C'est énorme, tu me donnes que du plaisir. Je remercie Philippe, qui va être devant sa télé là. Oui, c'est lui qui l'a, d'habitude. Oui, mais il ne pouvait pas, il n'était pas en forme. Voilà. Donc, un grand merci à tout le monde, aux gars, tous les jours. Et à mon pote David, c'est une histoire de famille. J'apprécie beaucoup ses parents. Et voilà, c'est énorme, énorme. À 5 ans, c'est. C'est magnifique. Ouais, c'est une belle histoire d'amitié, c'est une histoire de. Ouais, c'est énorme. Je suis un peu ému. Mais voilà, je veux remercier tout le monde et je souhaite à tout le monde de vivre ça parce que c'est vraiment très fort. Très fort d'émotion. Voilà. Merci Philippe, merci Guy, merci tout le monde.